Bonjour, aujourd'hui nous avons invité deux spécialistes du harcèlement scolaire. D'abord, docteur Camille, vous expliquez qu'il y a des deux côtés des enfants blessés. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui harcèle ne se porte pas bien. Il y a plusieurs profils et pour chacun une prise en charge différente. D'abord, ceux qui harcèlent pour suivre le groupe et pour ne pas être eux-mêmes exclus. Ensuite, ceux qui harcèlent parce qu'ils ont été dans le passé harcelés. Et une troisième catégorie d'enfants plus difficiles à prendre en compte, des enfants harceleurs avec des profils psychopathiques qui agissent avec le plaisir de détruire l'autre sans culpabilité. Enfin, docteur Thibault, qu'est-ce que les nouvelles technologies ont changé ? Tout, il n'y a plus de limite dans le temps. Un enfant harcelé au collège peut encore l'être au lycée, parce que son nom est accolé à des rumeurs sur la toile. L'anonymat facilite et protège. L'écran supprime l'empathie et l'altérité. L'enfant est seul face au monde extérieur et personne n'est là à l'aider à gérer ses émotions. De plus en plus de jeunes commettent des actes graves, sans accès à la loi, sans remise en cause. Pour eux, tout devient possible. Merci docteur Camille et docteur Thibault pour vos explications.